Bonjour à tous. Bah, je vous invite encore aujourd'hui chez moi à vous faire découvrir un montage de ligne pour la pêche de rivière. Donc euh, aujourd'hui on va travailler sur un flotteur donc boule. Voilà. Donc en rivière généralement on utilise des formes assez trapues. C'est une forme qui passe très bien dans le sens où ça se contrôle facilement, c'est très stable. Euh, disons en courant ça a un comportement parfait. Il faut une antenne plastique parce que c'est une antenne qui permet d'être bien visible, qui ne va pas être absorbée facilement par les effets du courant. Donc, ça, c'est très important. Euh, le flotteur que j'ai choisi là a une kiffère très très épaisse, de manière à ce que le flotteur soit très stable également. Voilà. Ce qu'on cherche en rivière, c'est d'avoir une ligne très stable, qui se contrôle facilement et euh, du coup qui soit bien visible. Voilà. Donc, c'est le cas avec ces flotteurs là. Pour aujourd'hui, donc je vais utiliser un corps de ligne de 15,5. Voilà. Pour la rivière, il ne faut pas hésiter. Il faut des cordes de ligne qui soient assez costauds. Euh, sur la ligne là je vais utiliser un montage mixte au de plomb. Donc, euh, il va falloir un cordes de ligne très très rigide, déjà, qui permettra premièrement d'éviter les emmêlages, mais surtout, ce qui est très important, c'est que souvent les rivières sont souvent, dans, sont souvent des eaux encombrées. Sur le fond, il, y a des, il peut y avoir des cailloux, des accros. Et lorsque vous allez accrocher votre ligne sur le fond, ce qui est très important, c'est que votre bas de ligne Soit vraiment un réel fusible et qui a un vrai décalage de diamètre entre le bas de ligne utilisé et le corps de ligne. Là, par exemple, quand je montais un corps de ligne en 15, 15 5, en 15,5, en ligne, souvent en rivière, je vais utiliser du 10, du 12, voire du 14 centième. Donc, ce sera des lignes bien plus faibles que celui du corps de ligne. Et c'est très très important. Voilà, parce que lorsque vous allez raccrocher sur le fond, quand vous allez tirer votre ligne, qu'est-ce qui va se passer le, Il y a uniquement que le bas de ligne qui va casser. Vous ne risquez pas de casser votre corps de ligne. Ça, c'est important. Donc, on y va. Donc on va prendre le, le corps de ligne en 15,5. Hop. Donc voilà, c'est ce que j'utilise. Hop. Je le coince toujours sous un espèce de socle. C'est une ancienne coupe hein, qu que j'ai gagnée, que j'ai démontée, qui me permet de faire une espèce de lest qui bloque bien votre corps de ligne. Et c'est très pratique lorsque vous allez pincer vos plombs sur, sur, sur le nylon. Voilà. Donc, je vais enfiler mes fameuses lunettes pour y voir un poil plus clair. Donc, on commence toujours, bien évidemment, par le flotteur. Donc, on va utiliser. Alors, vu la grosseur de la quille, je vais utiliser des gaines silicone. Alors, je regarde la taille qui irait bien, je teste au préalable. Là, dans le cas présent, ça va être la gaine silicone de 0,6 mm voir peut-être 0,7 je vais vérifier ce qui me, paraît, qui me paraît mieux. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un, bon, un bon serrage de votre, votre flotteur. Il faut que vous, vous sentiez que la gaine, voyez là, c'est encore mieux ça. La gaine là ici, j'ai mis un 0,7, je l'ai positionné. Quand je tire dessus, elle s'enlève pas facilement. Si elle s'enlève naturellement de suite, surtout n'utilisez pas ces gaines là parce que déjà votre flotteur il risque de glisser. Lorsque vous allez justement prendre des gros poissons lors des phases de combat, ça va faire certainement vibrer le flotteur, il pourrait glisser. Lorsque vous accrochez le fond, si vous tirez sur la ligne, le flotteur va nécessairement glisser si la gaine n'est pas suffisamment dure. Donc voilà, ici on voit, elle tient très bien. On voit bien, hein? Et c'est ce qui est important lorsqu'on tire sur la gaine, il faut pas qu'elle saute d'elle-même. Qu faut qu'elle tienne bien sur la quille. C'est très important. Donc du coup, je vais couper trois bouts de gaine. Donc deux bouts, en gros, qui vont faire un demi-centimètre. Et un bout très long qui va faire euh, 3-4 cm. Donc je positionne les bouts les plus courts sur la partie haute et intermédiaire au niveau de la quille, donc c'est-à-dire au centre de la quille, et sur la partie basse de la quille, qui ira vers le bas de ligne, je mets la gaine la plus longue. Cette gaine la plus longue vous permettra d'éviter les emmêlages et d'éviter que le fil remonte au-dessus de votre flotteur lorsque vous allez être en opération de de manipulation de la ligne pour l'emmener vers le large ou pour la ou pour la ramener, ça va permettre d'éviter pas mal de problèmes. Voilà, donc là, les trois gaines sont positionnées. La gaine la première, je la monte jusqu'à 2 3 cm du corps du flotteur, je la cale jamais en dessous. Si je la cale en dessous, ça va créer un angle très marqué qui va être, qui va vous donner déjà du mal à bouger votre flotteur. Parce qu'en fait, ça va créer cet angle qui va durcir le déplacement du flotteur et qui risque de d'abîmer éventuellement le flotteur. Voilà. Bon, dans le cas présent, j'ai de la chance. J'utilise un flotteur particulier. Il a un vernis, ce qu'on appelle le vernis hard skin. Alors, c'est un vernis qui permet de, 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 de durcir la partie euh, en surface du flotteur. Donc, en fait, le maquage du nylon maintenant avec cette matière-là, elle est quasi impossible. Voilà. Mais ça n'empêche que le fait de mettre la gaine en dessous du flotteur crée un angle qui est trop brutal. Et là, vous risquez quand même d'avoir de, de du mal à bouger votre flotteur. Voilà. Donc là, je dépasse mon flotteur et je vais commencer à y positionner nos plombs et notre olivette. Alors là, cette ligne, ce flotteur fait 2 grammes. Donc, comme je vais monter à la plombée avec un montage mixte olivette plus plomb, le plus important, c'est d'arriver à déterminer le bon poids d'olivette. Alors, généralement, sur la ligne à olivette, mon olivette représente 75% de la masse de plomb. Alors, sur un 2 g, enfin, faire un peu de mathématiques, hein, c'est un peu compliqué, mais globalement, 3 quarts du poids du flotteur seront compensés par l'olivette. Donc, ça fait globalement 1,5 g. Voilà. Donc, 1,5 g pour l'olivette, et il restera 1 demi g à répartir avec des plombs. Généralement, je mets 4 à 6 plombs sur la ligne en complément. Ces plombs permettra d'avoir une partie terminale de la ligne un peu souple. C'est ce qui va nous permettre éventuellement de les étaler si nécessaire. Si par exemple à votre rivière il n'y a pas un gros courant par exemple et que vous voulez avoir un montage très souple, et il y a certaines espèces de poissons qui aiment prendre des échecs qui descendent doucement, un peu comme des chevennes par exemple ou euh, euh, des ablettes aussi, éventuellement à prendre sur certaines rivières quand c'est un peu difficile. Là il va falloir remonter l'olivette et du coup on va pouvoir étaler ces 5-6 plombs pour avoir quelque chose de très souple. Ou à l'inverse, on pourra descendre l'olivette relativement basse en mettant trois ou quatre plombs vraiment collés à l'olivette et un plomb de touche très bas pour avoir un montage très, on va dire massif et très dur, surtout lorsqu'on pêche des gardons qui sont eux généralement à la recherche d'une neige plutôt stable qui passe souvent pas loin du ras du fond et euh, qui aiment bien des montages relativement rigides. Voilà. Donc là, on va commencer par le montage. Je vais prends une olivette d'un gramme et demi. Donc j'ai une petite boîte à malice avec quelques olivettes dedans. Donc, je vais prendre une balance électronique, parce que, voilà, parce que pour l'instant, je préfère contrôler l'apportance de l'olivette. Voilà, là j'ai une olivette de 1,44 g. Ça me paraît globalement proche de ce que je voulais obtenir. Cette olivette, Donc, on commence bien évidemment par elle, pour pouvoir constituer la masse. Je viens de mettre mon olivette de 1,50 g en fait sur mon corps de ligne. Euh, donc il me reste en gros 0,50 g de plomb à mettre. Il me faut entre 4 et 6 plombs. Donc euh, je vais me caler sur 2,6, 2,7 et 1 plomb de 8. En fait, je reviens toujours à la même chose. C'est qu'en fait, euh, le plomb de 8 me donné grâce à mon petit pense bête. Sur un 2 g, j'utilise un numéro 8. Donc ce que je fais, c'est que je vais démarrer par les plus gros plombs. Donc je vais mettre mes deux fameux numéros 6 au départ. Hop, 1. 2. On enchaîne par deux numéros 7. Voilà. Et on finit par le plan de touche numéro 8. Alors on voit bien que la ligne de rivière euh, est beaucoup plus rapide à monter euh, qu'une ligne, euh, qu ligne d'étang. Euh, parce qu'en fait, là, au lieu d'avoir 10 à 12 plombs euh, à monter sur une ligne traditionnelle, là on se retrouve avec... Allez, l'olivette et euh, 4 à 6 plombs. Voilà. Donc c'est toujours beaucoup plus rapide à mettre en place. Donc, voilà la ligne de base. Donc l'olivette, mes 5 plombs dessous, on va tester. Alors là, je suis très très proche de la réalité. On voit bien que le flotteur est. Donc du coup, il est parfaitement équilibré. Mais il y a un problème. Donc j'ai un, un léger souci, c'est que mon flotteur est parfaitement équilibré. Le seul souci, c'est que j'ai oublié de mettre mes petits plombs carrés d'équilibrage, qui me permettront d'ajuster au bord de l'eau, si besoin, en fait, euh, l'équilibre de mon flotteur. Et là, du fait que je ne les ai pas encore positionnés, il va falloir que j'enlève un plomb. Pour le remplacer par un plomb de plus petite taille. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un numéro 6 que j'avais initialement. j'en avais mis deux. Donc je vais en enlever un. Voilà. Et je vais le remplacer par un numéro 8 qui va me donner la possibilité justement de compenser après de rajouter des tout petits plombs par-dessus pour pouvoir retrouver un équilibrage parfait. De toute façon, je ne conçois pas une seule ligne sans ces fameux plombs, on va dire, d'équilibrage, qui sont, qui sont mais vraiment, vraiment très, très, très utiles et euh, pour moi sont indispensables. C'est un élément euh, clé de la ligne, quoi, en fait. Alors, ces plombs d'équilibrage, en fait, sont, ne sont pas là que pour équilibrer parfaitement la ligne. Parce qu'en fait, sinon, au départ, je l'avais obtenu sans les mettre. Donc, si on voulait juste obtenir un équilibre parfait de la ligne, ces plans d'équilibrage ne sont pas obligatoires. Mais ils ont un autre intérêt bien plus important, c'est qu'en fait, en fonction des profondeurs, en fonction du courant, en fonction de la densité d'eau, en fonction de la portance de l'eau, votre flotteur va, va plus ou moins être équilibré ou plus ou moins et va être plus ou moins porteur. Et cette densité d'eau, vous la maîtrisez pas avant de partir de chez vous. La densité que vous avez dans votre tube d'équilibrage est souvent différente. Donc, du coup, le fait de pouvoir mettre ces trois plombs au-dessus de votre plombier principal et que ces plombs-là peuvent être amenés à être enlevés facilement avec un coup de pince, ces plombs disparaissent. Et généralement, c'est plutôt dans cet esprit-là. Il faut souvent enlever des plombs plutôt que d'en rajouter. Parce que pourquoi Parce que déjà, on va rajouter un bas de ligne. Le bas de ligne, il va y avoir un hameçon au bout. L'hameçon, au bout de l'hameçon, il va y avoir une lèche. Donc on rajoute du poids, bien sûr, sur la ligne. Il y aura le poids de l'éche et le poids de l'hameçon. Donc nécessairement, tous ces poids-là qui, au départ, ne sont pas pris en compte lors du montage de la ligne, bien sûr, vont avoir une incidence sur l'équilibrage de votre flotteur. Donc, il va falloir anticiper, justement, cette partie-là et ces plombs, justement, d'équilibrage sont plutôt des plombs d'ajustement pour moi, en fait. Donc là, j'en positionne 3. Alors là, je positionne des plombs en fait de taille de numéro, des numéros 12 en, en plomb en plombs carré. Euh, ces plombs-là sont... Euh, sont proportionnelle à la taille de mon flotteur. Si je monte une ligne de canal, je mets des plombs numéro 13, et des lignes de rivière, je mets des plombs numéro 12. Voilà, donc on va re retester l'équilibrage du flotteur en, en ayant intégré ces plombs, ces fameux plombs d'équilibrage. Là c'est très bien, je retrouve mon plombage initial. Donc j'avais enlevé le plomb de 6 euh, qui, euh, tout à l'heure, permettait d'avoir une ligne parfaitement équilibrée, mais comme c'est il me manquait ces trois plombs pour parfaire ma ligne, j'ai enlevé ce plomb de 6, je l'ai remplacé par un 8 et j'ai pu du coup rajouter mes trois petits plombs carrés qui me permettent d'avoir un équilibrage parfait dans mon tube. Voilà donc en fait ma ligne de rivière est composée de trois plombs d'équilibrage, une olivette, un, deux, trois, quatre et cinq plombs. Voilà, parfait. Le travail n'est pas terminé. On a presque terminé, mais ce n'est pas tout à fait fini. Là, on voit mon olivette, pour l'instant, elle est libre sur la ligne. Alors, il y en a, on pourrait très bien pêcher comme ça, parce que votre ligne, en pêchant, l'olivette sera toujours positionnée sur les plombs du bas. Le seul souci qu'il va y avoir, c'est que ça va créer des vibrations, et c'est surtout que ça risque de s'en mêler en bougeant euh, régulièrement sur la ligne. Et je préfère, moi, créer un point fixe, aussi pour d'autres raisons, raison c'est que si je dois étaler mes plombs, je veux que l'olivette se détache également des plombs, de manière à gagner, à gagner plus de souplesse. Que je peux mettre un plomb, un plomb, un plomb, un plomb et l'olivette seule bien au-dessus. Le fait qu'elle coulisse, elle va redescendre sur les plombs et ça m'enlèvera un étage de souplesse. Donc pour garder une souplesse totale, je vais la bloquer. Alors là, j'ai un, une technique de grand-mère, ou presque. J'ai un vieux euh, balai à brosse qui me sert uniquement pour la pêche. Vous voyez, il est un peu fatigué. Hein. On voit bien qu'il a déjà été utilisé plusieurs fois. Et donc là, il va falloir que je trouve un poil de balai. C'est un poil de balai, c'est du balai, de balai à brosse naturelle, euh, qu'on va forcer, qu'on va mettre dans le trou de l'olivette pour obtenir un coulissement dur, un peu à l'image d'un plomb. En fait, on veut provoquer l'olivette au niveau du déplacement, comme si on avait un plomb fendu qu'on avait resserré sur la ligne. Donc le plus dur, c'est de trouver le, le poil qui va correspondre exactement au diamètre du trou de l'olivette. Je dispose d'une petite boîte magique où j'ai pré-découpé. En fait, ces fameux poils de balai. Voilà. Donc, je vais essayer de trouver dans cette fameuse boîte le diamètre qui va correspondre au trou de mon olivette. Alors, je dois vous avouer que c'est la partie la plus difficile parce que mettre des plombs, c'est très facile. Euh, trouver le poil de balai qui correspond pile poil au diamètre. Parce que là, il n'y a, a pas de souplesse dans l'olivette. Hein. C'est du plomb. Donc, il euh, va falloir qu'on trouve vraiment le bon diamètre. Parce que trop gros. Il sera trop serré, et là vous allez faire briller votre fil, et trop fin, il servira à rien parce que votre, votre plomb va couler, votre lièvre va coulisser. Donc il va falloir trouver pile le bon diamètre. Là par exemple, je suis juste à côté, on voit que, alors ça a l'air de tenir, mais là le coulissement est trop est trop facile. En fait, il tient pas assez, et ce qui va se passer lorsque ça va mouiller mon, mon poil de balai, il va devenir plus tendre, et en étant plus tendre, il va coulisser encore plus facilement, et ça n'ira pas. Donc ce poil de balai là est trop petit. Il faut que je trouve un poil de balai légèrement plus gros. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment la partie la plus difficile parce que ça se joue à, à rien en termes de diamètre. Ah ça, ça me plaît. Tu vois pourquoi Celui-là, je le sens bien. Je pense que alors je fais toujours une coupe en biseau de manière à lui donner une forme qui va te permettre de rentrer plus facilement le poil dans l'olivette. Ah, je le sentais bien, et j'avais bien raison. Voilà, je sais trouver l'endroit où l'olivette est la mieux. Voilà, parfait. Donc là, j'ai trouvé le poil de balai qui permet d'avoir un coulissement comme, le, comme les plombs. En fait, voilà, on bouge un plomb, on bouge l'olivette de la même manière. Alors, bien sûr, je vais enlever les excédents. Bon, en pour les casser, c'est facile. Hein. Vous faites euh, un coup, un coup à gauche, un coup à droite. Vous pliez plusieurs fois le poil. C'est une matière assez dure, assez, assez raide, et du coup, ça se casse. Voilà. Et du coup, il est, il est vraiment à l'intérieur. On le voit pas. Ça déborde pas. Alors, il y a une solution après, parce que lorsque vous allez casser votre ligne, vous voulez récupérer votre livette. C'est relativement simple. Vous prenez, vous prenez une qui de flotteur, d'un vieux flotteur, euh, à vous qui traînait quelque part, éventuellement, qui était cassé, une qui très fine. Et il suffirait de pousser, donc là c'est un bout de qui qui m'a servi déjà depuis très longtemps. Voilà. Et je repousse le poil de balai vers l'extérieur, il ressort facilement. Voilà, il n'y a aucun souci vis-à-vis -vis de ça. Et du coup là, on a un montage où l'olivette pourra avoir sa position à elle, indépendamment des plombs. Voilà. C'est quelque chose de très propre. Et euh, je pense que. Ça, fait des... ça existe depuis des années et des années. Je crois, j'ai commencé à compétition dans les années 90 et à l'époque, je m'étais calé sur un certain Jean-Pierre Fouja qui montait ses lignes avec une olivette et deux plombs, je me rappelle très bien. Et je me rappelle qu'à l'époque, il se limitait vraiment à ça. Il avait que deux plombs plus son olivette et il y mettait son olivette pour pouvoir arriver au réglage parfait, à l'équilibrage parfait de son flotteur. Et il bloquait l'époque justement ces fameuses olivettes avec des poils de balai voilà donc euh, c'est pas c'est pas une astuce récente c'est plutôt très ancien mais c'est très efficace donc du coup hop on va provoquer on va appuyer avec ma pince le nylon trois fois au-dessus euh, de la partie du nylon au-dessus des plombs. Avant, ça va me permet de passer les plombs dans, dans, dans les parties, on va dire, plates, et ça va écarter la fente légèrement des plombs pour pouvoir lui donner un coulissement plus facile au-delà, justement, de ces trois accros que j'ai créés sur le nylon. Donc je dépasse cette zone. Bien sûr, cette partie de nylon-là, il faudra l'enlever, bien évidemment, lorsque vous allez faire votre boucle de bas de ligne. Voilà. Donc là, du coup, je me retrouve avec une ligne parfaite. J'ai plus qu'à réaliser... Ma boucle, de ba... ma boucle de raccord pour le bas de ligne. Voilà, donc c'est un nœud simple, une boucle simple, elle mesure entre demi cm et 1 cm. On coupe l'excédent, jamais jamais à ras du, re... du nœud, vous laissez 3-4 mm de plus, de manière à avoir un peu de sécurité dans le cas où le nœud serait amené à bouger d'un petit millimètre, voilà, ça peut éventuellement arriver sur une toute petite partie. Voilà, donc là on voit bien le nœud n'est pas très grand. Donc je vais redescendre un plomb à ce nœud. Ce sera mon plomb de touche, qui est numéro 8. Et ensuite, je vais positionner, pour l'instant, je vais laisser tout grouper en gros à une vingtaine de centimètres au-dessus, l'olivette, les, les quatre autres plombs ronds. Voilà. Donc généralement, les plombs carrés au-dessus, comme les, je les ai beaucoup bougés, ils sont relativement tendres, ils ont tendance à, se, à être un peu desserrés. Eux, je vais les resserrer un tout petit peu. Voilà. À ce que, voilà, ils se, ils se bougent normalement. Voilà. Donc pour l'instant, on va démarrer comme ça. En gros, 20 à 25 cm, vous mettez votre olivette, vos quatre plombs. En dessous, vous avez le plomb de touche. Voilà. En cours de pêche, qu'est-ce qui va se passer Soit je me rends compte que ma ligne... Euh, passe un poil trop vite et que je prends. je vous, bon, En fait, ça, c'est des trucs qui sont compliqués à expliquer, mais je vais essayer de vous le faire comprendre assez facilement. Euh, si euh, j'ai des touches éclair et que je loupe des touches parce que les touches sont éclairs, je, je loupe le poisson, généralement la solution pour ça, il faut redescendre vos plombs parce que ça va vous donner une ligne plus stable, plus dure et lorsque vous allez visualiser la touche, et bien là, vous allez être plus réactif au ferrage, parce que là il y aura moins de latitude en bas, et vous allez être donc plus rapide lorsque le poisson va saisir l'èche Vous allez mieux la ressentir rapidement dans votre ligne. Voilà. Si à l'inverse, vous voyez que vous avez, c'est pas des touches rapides, c'est des touches lentes, et vous les loupez, vous avez des refus, ça part pas du tout. Dans ce cas-là, c'est plutôt l'inverse. Il faut remonter les plombs pour donner plus de souplesse à votre ligne et donner plus, on va dire, un aspect naturel à votre réglage et à votre montage. Voilà. Donc sinon pour démarrer, je vous dis au départ, je vais, les, je vais la ranger comme ça, je vais en gros 20 cm au-dessus de mon plomb de touche, je règle mes quatre plombs et voilà. Alors maintenant on va passer au choix du plioir pour emballer cette ligne. Donc euh, je vais regarder déjà sur quel type de plioir le flotteur peut passer. Voilà c'est un peu, là c'est un peu, là on voit que ce plivoir là est un peu serré, on risque éventuellement d'écraser le flotteur un peu sur les extérieurs. Je vais prendre un plioir un peu plus large. Voilà, oh là, là c'est bien plus adapté, sans aucun souci. Voilà, donc là le plioir, on voit que le flotteur passe totalement dedans sans aucun souci, aucun problème. Donc au niveau de la longueur de la ligne, sur la ligne de rivière, généralement je les monte de 5 ,60 m, 60, qui est la longueur des, des plus grands kits que j'utilise. Donc, euh, c'est des kits qu'on appelle des kits en 4 brins, des kits K4. Et j'ai un petit euh, tableau ici qui va m'aider à déterminer le nombre de tours nécessaires pour emballer ma ligne, pour qu'elle fasse la bonne longueur de mon kit K4. Alors, ici, tout en bas, là, on voit que j'ai des petits codes de marqués. Il y en a un qui commence par 26, c'est marqué K4, 26. Et à droite, de, euh, il y a un, à, à droite de la barre oblique, il y a un chiffre qui est marqué, il marque 22 donc j'ai 22 tours à faire de war pour pouvoir avoir une ligne qui fasse une longueur de 5,60 m donc d'un kit K4 alors autre point important euh, je vois, vous voyez qu'il y a des plioirs de différentes couleurs dans cette taille là voilà donc quel que soit voilà donc là j'ai du vert du orange et du bleu j'utilise Systématiquement, des lignes en 4 bruns, donc de 5 m60, sont des pliers bleus. Ça me permet d'avoir un repère visuel. Lorsque j'ouvre mon panier, je sais que cette ligne-là sera d'une longueur de 5 m60. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tours. Donc là, 22 tours. Je reprends mon nylon. Je fais une belle boucle comme celle qui est du raccord du baling, mais même un peu plus grande. Je coupe l'excédent. Je laisse 3-4 mm de nylon dépassé au-delà de la boucle. Et j'accroche cette boucle sur l'angle de mon pliouard. Alors ça, c'est pareil. C'est un point de repère pour moi. Lorsqu'une ligne est accrochée dans l'angle, ça veut dire qu'elle n'a jamais pêché. Parce qu'à partir du moment où je vais l'utiliser, j'accrocherai une attache ligne traditionnelle en latex qui me permettra de relier la boucle de mon corps de ligne au plioir. Voilà. Donc là, je sais que j'ai une ligne neuve. Donc je vais, de, je vais devoir noter ici, dans l'angle ici, son diamètre pour me souvenir que je l'ai monté en 15,5 mm de diamètre. Quoi 0,155 plutôt. Voilà. Donc... Je le note à cet endroit-là. Et j'ai que ça à noter, parce que le flotteur, je vois dessus que c'est un 2 grammes. Et puis, de toute façon, grâce à mon code couleur, je sais très bien que le flotteur orange est un 2 grammes. La longueur, bah je sais que c'est un kit K4, parce que c'est un pliwar bleu. Et puis, il y a juste la notion du fil que je dois noter. Donc, c'est vrai que je n'ai pas grand-chose à notifier sur mon pliwar pour savoir tous les paramètres de cette ligne. Donc, on a une ligne parfaitement équilibrée, des plombs bien alignés. Une olivette qui va pouvoir vivre de manière indépendante des plombs sans glisser naturellement. Voilà, donc on a quelque chose de très sympa. Et là, ça, c'est des lignes totalement, totalement adaptées euh, aux pêches à la coulée en rivière. Donc, euh, sur des pêches de chevennes, de gardons, de petits barbeaux, de brèmes. Voilà, ça, c'est vraiment une ligne typique euh, euh, de toutes les rivières euh, euh, de nos pays. De notre pays. Voilà. Alors autre point aussi important que je vous ai pas présenté sur ce flotteur là, c'est qu'en fait, il a une particularité, une vraie une vraie une vraie nouveauté en fait par rapport à ce qui existait avant. En fait, en dessous de cette de ce vernis mat, on a installé un vernis qu'on appelle hard skin en fait qui veut dire la peau dure et ça lui permet d'éviter que le nylon puisse fendre le corps de votre flotteur et ça lui permet d'assurer une certaine longévité à votre flotteur, c'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas le marquer, il ne va pas se fendre, parce que le problème c'est qu'un flotteur fendu, comme ces flotteurs sont en balsa, il pourrait prendre l'eau. Donc grâce à, cette, à ce vernis qui lui fait une double peau, et eh ben, ça lui permettra d'éviter ces problèmes de fente et de d'éventuellement de prise d'eau et du coup de modification d'équilibrage en cours de pêche. Voilà, on évitera ce problème-là avec ces séries-là. Voilà. Pour les reconnaître, c'est assez facile, on a sorti une, deux flotteurs, en fait, un flotteur étang, un flotteur rivière, en, avec, avec une matière hard skin. Il commence, les séries commencent par un S. Voilà. Celle-là, cette série-là, par exemple, c'est la SPS19. Voilà. Et il y a une forme qui existe également pour les étangs, avec le même type de vernis, qui est le SPS16. Voilà. Ben, les amis bah, je vous dis à très bientôt pour un futur pour un autre tuto et pour des petites astuces de ce genre et à très vite au revoir